l'action qui parle des cybernétiques. Donc, on se dirait pas à faire grave, on pourrait imaginer ça. Mais chaque pays est responsable de ça, non? He's also a good man in a tough business. L'Association des véhicules électriques, cet engouement est lié aux subventions des gouvernements provinciales et fédérales. Et c'est particulièrement flagrant dans le Grand Montréal. La région de Montréal compte environ 7700 véhicules électriques. La normalisation des anglicismes. Tant que certains concessionnaires sont en rupture de stock. On estime qu'on pourrait vendre le double de véhicules qui s'est vendu actuellement s'ils étaient disponibles chez les concessionnaires. La tendance force les constructeurs automobiles à repenser leur offre. Ford a notamment annoncé qu'il commercialise. Ah!
pen cam and watch my name.